Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui c'est un coucou. Oui. Donc voilà, il y a quelques mois maintenant, nous avons dépassé les 10 000 abonnés. Je dis nous puisque ben voilà, c'est ensemble avec ma communauté. Et j'étais juste waouh waouh waouh, j'en revenais pas. Je me dis punaise, 10 000 abonnés c'est quand même énorme. Enfin à mon stade, hein, je trouve ça juste énorme. J'ai reçu également une surprise via Octoly. Voilà, donc j'ai reçu ceci. Donc en fait c'est un diplôme de félicitations avec marqué voilà mon pseudo YouTube, donc Eva Lipstick. 10 000 abonnés qui me dit voilà congratulations for you, voilà 10 000 k, et voilà franchement ça m'a trop touchée rien que d'en reparler là avec vous. Vraiment ça me fait quelque chose puisque ouais, cette aventure c'est vraiment grâce à vous, grâce aussi à mes amis qui m'ont soutenue, qui voilà, qui de bout en bout ont parlé à leurs copines, et voilà ce qui fait que voilà aujourd'hui on est même presque à 11 000 abonnés. Donc voilà, c'est juste waouh waouh waouh, et vraiment merci. Je voilà, tout ce qui se passe dans ma vie c'est aussi grâce à vous. YouTube ça fait maintenant 2 ans et demi que j'y suis, et clairement ça m'a changé, ça m'a épanoui, ça m'a donné confiance en moi, dans ma manière de m'exprimer. J'étais quelqu'un, on va dire à l'adolescence, de très timide, et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a aidé à m'assumer, à assumer qui je suis, et voilà quoi. Donc merci pour tout, merci pour tous ces mots de soutien que vous avez pu me donner dernièrement. Je vais pas m'étaler sur le sujet puisque ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais vraiment merci puisque mon retour a été aussi reboosté grâce à ça, grâce à vous qui êtes toujours là derrière moi en train de me pousser, en train de me féliciter, en train juste de me faire un petit coucou en passant par là, et voilà quoi. Et vraiment c'est, je pense que YouTube il faut le vivre pour le comprendre. C'est oui, on fait de belles rencontres. Vraiment, moi j'ai rencontré virtuellement hein, d'autres filles youtubeuses. Donc je pense à Aurélie de la chaîne Réglée Tout Aussi, à Cindy Ch'ti, à Miss Fan Beauty. Donc ce sont 3 filles avec qui j'aime bien parler. Alors assez peu puisque voilà, je suis pas très téléphone, etc. Mais voilà, ce sont des filles avec qui j'aime bien échanger, des filles que je trouve vraiment super, qui sont tout à fait simples, qui n'ont pas la grosse tête, et c'est ça que j'aime. Et c'est ce que vous me retournez aussi envers moi souvent. Donc ouais, voilà quoi, je suis... Merci, voilà, juste merci. Donc du coup, ben voilà, je vous ai préparé un petit lot. Donc pour ce qui est de ça, donc je vais vous montrer juste après. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre, donc je vais vous donner les conditions de participation juste maintenant. Donc on est le 9 octobre. Je mettrai cette vidéo en ligne donc le samedi 15 et je vous ferai participer jusqu'au samedi 22 minuit. Donc à partir du samedi 22 au soir minuit, ça sera terminé, et du coup je donnerai le résultat à la gagnante par mail le 23. Donc pour la participation, je vous mets un mail spécifique pour participer juste en dessous dans la barre d'infos. Donc il vous suffit juste de cliquer, relever le mail et postuler. Donc pas besoin de, voilà, vous marquez ce que vous voulez, vraiment je participe, voilà, juste je participe, ou voilà je participe, et un petit quelque chose si vous avez des choses à dire. Et du coup je ferai le tirage au sort le 23 et je vous donnerai la réponse le 23. Donc j'essaierai aussi de vous le mettre sur Snap. Peut-être que je vous ferai le tirage en direct. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat. Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'y suivre. Et j'adore moi en fait Snapchat. Presque j'ai délaissé Instagram pour Snap. Parce que je trouve ça plus interactif. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je vous ai mis tout ça dans une petite poche qui vient de chez Action. Donc il y a marqué thank you. Et j'ai envie de vous dire, c'était d'actualité. Donc premier produit, donc j'ai tout acheté sauf un produit, on va commencer par lui puisque je vous en avais déjà parlé. C'est un produit que j'avais reçu par la marque, qui est un produit de chez Aussie. Donc c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor, c'est un soin pour les cheveux abîmés. Voilà, c'est un masque que vous allez laisser poser 3 minutes sur vos cheveux. Il est très très bien, beaucoup en sont très contentes, mais moi il ne convient pas à mon type de cheveux. Voilà, vraiment c'est un excellent produit. Demandez aux autres, allez voir des avis sur ce produit là. C'est juste que voilà, ça me faisait plaisir de vous l'offrir puisque je l'avais déjà testé plusieurs fois. Donc voilà, premier produit. Ensuite je vous ai pris un blush qui est très très bien réputé. C'est le Rocketeur de chez Benefit.
Donc voilà quoi, je vais pas ouvrir les produits évidemment hein, puisque je pense que vous les connaissez déjà. Et puis ben voilà, c'est neuf donc voilà, je voudrais pas abîmer le produit. Donc voilà, un petit blush de chez Benefit. Je vous ai également pris un kit de chez Marc Jacobs. Donc à l'intérieur vous avez une petite pochette avec un miroir, un crayon colle pour les yeux et un rouge à lèvres nude. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa pour tester la marque et je trouve ça chouette pour mettre dans un petit concours. Ensuite je vous ai mis un sambon pour la voiture, donc c'est le Clean Cotton de chez Yankee Candle. Je vous ai mis mon préféré des lingeries de chez NYX qui est le Embellishment, donc c'est le 02 Embellishment. Et j'adore celui-ci, il est vraiment magnifique. C'est un espèce de violet très froid, un petit peu gris, juste dingue. Et il est très souvent en rupture, donc j'étais super contente de vous le trouver pour le concours. Et dernier produit, c'est cette palette. Donc voilà, je suis fière de pouvoir vous l'offrir. C'est la Chocolate Bonbon. Donc j'ai beaucoup hésité entre la semi-sweet, etc, etc. Mais moi celle-là, en plus je l'ai pas hein, donc voilà, celle-ci quand même je vous la montre. C'est une des palettes que j'ai le plus vues, je crois, de chez Too Faced. Et elle est tellement mignonne avec des petits cœurs, donc je me disais que c'était d'actualité. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est juste magnifique. Vous connaissez mon amour si vous suivez ma chaîne pour ces produits-là. Donc bien évidemment, je précise, hein, puisque je m'étais fait avoir la dernière fois, les gens qui s'abonnent juste pour participer au concours, c'est pas la peine. Puisque je ne ferai gagner vraiment mes abonnés fidèles. Voilà. Si vous abonnez, vous vous désabonnez juste après. Voilà, je trouve pas ça honnête, etc. Donc s'il vous plaît, évitez ce genre de choses parce que moi vraiment, c'est des choses qui me posent problème. Voilà, donc laissez la place à celles qui me suivent depuis très longtemps. Voilà, donc je vous ferai donc participer par mail uniquement. S'il vous plaît, ne participez pas par commentaire sous cette vidéo puisque c'est interdit par YouTube et j'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai envie de pouvoir continuer à vous faire des vidéos. J'espère que ce mini concours vous plaira. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de gâter l'une de vous pour vous remercier. Malheureusement, si je pouvais vous envoyer tout ça à chacune d'entre vous, bah, je le ferais. Mais voilà, juste, je ne peux pas. Pour celles qui veulent savoir mon rouge à lèvres avant de vous quitter, ce sont les nouveaux Melted Matte de chez Too Faced et c'est la teinte Drop Deep Red et j'adore, vraiment j'adore. Alors on dirait peut-être qu'il est noir mais en fait c'est un rouge noir hein, juste j'adore, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Il me tarde de voir vos petits commentaires par mail. Je vous fais plein de gros bisous. Encore 10 000 merci, même 11 000 merci. Je suis vraiment trop, trop contente. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous aime très fort, vraiment, sincèrement. Et puis, bah, à bientôt. Bye, filles.